Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gilet pour toutes les tailles. Donc, je l'ai fait et pour moi en blanc et pour ma fille en moutarde. Donc, j'ai utilisé de la laine Zimane, 0,99 €. J'ai utilisé moins de 3 pelotes pour faire son gilet. Et pour le mien, j'en ai utilisé presque 7. Vous aurez besoin de crochets numéro 3, 3,5, 4 et 5 pour la taille enfant. Pour la taille adulte, vous n'aurez pas besoin du 3,5. Ici, vous avez tout ce que j'ai utilisé, donc du fil pour coudre le nœud, une aiguille à laine pour cacher vos fils, une plus grosse puisque pour les chaînettes ici, on va utiliser la laine doublée et d'un nanomarqueur pour les manches. Donc, on va se baser sur un gilet et ça, vous le verrez sur le tutoriel. Donc, les mesures que vous allez prendre, ça va dépendre du gilet que vous avez en face de vous. Et pareil, la forme à peu près, ça va dépendre aussi du gilet que vous choisissez. Moi, j'ai choisi cette forme-là, puisque je veux un gilet que ma fille va pouvoir porter le matin pour aller à l'école. Le point positif aussi, c'est que on ne va pas utiliser de diminution. On va se servir des crochets pour réduire la manche. Donc vous verrez qu'à vue d'œil, ça ne se voit pas vraiment. Mais en fait, ça va permettre au point de rester bien serré. Et comme ça, sur le bras, ça fait un rendu serré et ça ne va pas se détendre au fur et à mesure. Pour ça, il va falloir savoir réaliser la chaînette et les brides, ainsi que les mailles serrées. Donc je vous mets dans la barre d'infos juste ici les bases du crochet si vous ne savez pas réaliser ces points. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie. Et si vous voulez voir les gilets portés sur ma fille et moi, vous pouvez si vous le souhaitez aller faire un tour sur Instagram que je vous mets juste ici. Et maintenant, nous pouvons passer au tutoriel. Pour commencer le gilet, vous allez juste avoir besoin d'un gilet. Donc n'importe quelle taille que vous allez faire, donc que ce soit pour enfant ou pour adulte, même adolescent, vous prenez simplement le gilet de la personne pour qui vous voulez le réaliser. Et en fait, on va venir prendre nos mesures à partir de ce gilet. Donc moi, j'ai pris les mesures sur le dos de gilet de ma fille. Donc vous prenez un mètre. Vous allez mesurer, donc vous mesurez bien en bas, pour qu'une fois que ça arrive au niveau des fesses ou des hanches, ce ne soit pas trop serré. Donc en fait, je vais me repérer par rapport à la couture ici et à la couture qui se trouve ici. Et là, je vais mesurer. Donc moi, j'ai besoin de 33 cm. Donc je vais devoir monter une chaînette de 33 cm. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'il va vous falloir un nombre de mailles multiples de 3. Donc moi là, par exemple, avec la laine que j'ai utilisée, j'ai monté, j'ai préparé ma chaînette d'ailleurs, j'ai monté 53 mailles et je vais monter mon premier rang avec 3 mailles en l'air, ce qui me fait 54 mailles au total. Donc je vais vous dire une bêtise, si vous avez besoin de 25 mailles sur votre chaînette, vous allez en monter 24 et 3 mailles en l'air pour faire la 25e. Et ça, c'est valable pour toutes les tailles. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous allez monter votre chaînette, vous allez la placer donc au bord de votre mètre et pour avoir votre nombre de centimètres, il va falloir tirer un petit peu sur votre chaînette parce que si vous montez vos mailles sans la tirer, vous allez vous retrouver avec un gilet beaucoup trop grand puisque lorsqu'on va commencer notre point, en fait ça va s'élargir. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma chaînette et quand je la tirais un petit peu et que je suis arrivée à 33 cm, j'ai arrêté de monter les mailles. Sur ce, nous allons pouvoir commencer. Donc comme je vous ai dit, j'ai monté une chaînette de 53 mailles et je vais ajouter 3 mailles en l'air supplémentaires, ce qui me fera ma 54e maille. Donc mon nombre de mailles est divisible par 3, donc j'ai bien 18 mailles, 18 mailles et 18 mailles. Donc, une fois que j'ai monté mes 3 mailles en l'air supplémentaires, dans la quatrième, je vais venir faire une autre bride. Donc dans la quatrième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, et dans la quatrième, je fais une bride. Et là, c'est ce qu'on va faire pour tout le rang. Des brides individuelles tout le long. Et ça, ce sera notre premier rang du point élastique, donc le bord de notre gilet. Donc tout le long, uniquement des brides individuelles jusqu'à arriver à la fin de votre chaînette.
et je termine mon rang. Donc voilà pour le premier rang du point élastique. Si vous ne savez pas réaliser le point élastique, je vous mets la vidéo juste ici et comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et ça vous redirigera directement sur la vidéo pour apprendre le point élastique. Donc maintenant pour le rang numéro 2, vous allez monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là ce qu'on va faire c'est venir faire une bride en relief par devant. Ensuite, j'alterne avec une bride en relief par derrière. Et vous allez faire ça tout votre rang. Une bride en relief par devant. Une bride en relief par derrière. Donc tout votre rang, vous allez le faire comme ça. C'est ce qui va être le bord de notre gilet. Donc moi, pour celui que j'ai fait pour moi-même, donc en taille adulte, j'ai fait au total 6 rangs de points élastiques. Mais là, comme c'est pour une petite taille, je vais faire uniquement 4 rangs. Donc à vous de juger la largeur que vous voulez pour le bord de votre gilet. Donc je vais continuer mon rang comme ça, à faire mon point élastique. Et puis je vais vous retrouver pour la suite du gilet. Et je finis mon dernier rang de points élastiques. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport au gilet. Donc là vous voyez que ça correspond très bien avec un demi centimètre admettons de chaque côté en moins. Et c'est normal puisque le point élastique est fait pour. Et vous allez voir qu'après, avec le point qu'on va utiliser, ça va vraiment s'élargir un tout petit peu et ça va tomber pile poil à la bonne taille. C'est pour ça que je vous disais, quand vous allez monter votre chaînette, de l'étirer un petit peu pour prendre les mesures, pour tomber assez juste par rapport au gilet. Donc maintenant, on va pouvoir passer au motif. Donc on va utiliser le point de riz. Donc c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le point de riz, donc si vous voulez apprendre à le faire, je vous mettrai la vidéo juste ici ou alors ce sera en barre d'infos. Donc vous tournez et là on va passer au premier rang du point de riz. Donc vous allez monter avec vos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va alterner avec une maille serrée. Donc dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je fais une bride. Maille suivante, une maille serrée. Et vous allez alterner comme ça tout votre rang à faire une bride individuelle suivie d'une maille serrée. Donc je finis mon rang, une bride et je termine par une maille serrée. Donc là vous allez la faire non pas dans la troisième maille en l'air de départ mais dans la deuxième, comme ça vous aurez un bord droit. Voilà pour le premier rang. Donc le point de riz se travaille toujours sur deux rangs pour former le point. Donc vous allez tourner. Et là, en fait, vous allez travailler au point de riz et je vais vous montrer où vous arrêtez sur le gilet. Donc, en fait, vous allez continuer tout droit, toujours tout droit avec votre point de riz et vous vous arrêterez pile poil au niveau de l'encolure de votre gilet. Donc, vous continuez toujours tout droit et c'est très simple. Une fois que vous avez la bonne mesure, donc de haut en bas, vous vous arrêtez et puis on pourra se retrouver pour continuer sur le devant. Et bien sûr, si vous n'avez pas le gilet de la personne pour qui vous le faites, vous pouvez toujours lui demander de lui envoyer ses mesures et comme ça, vous pourrez aussi faire votre gilet uniquement en utilisant votre mètre.
Donc je vais continuer et puis je vous retrouve une fois que j'ai la taille désirée. Donc là, moi, je vais continuer mon point de riz. Donc j'ai fini avec une maille serrée. Je monte donc avec 3 mailles en l'air, ce qui correspond à ma première bride. Et j'alterne maille serrée sur les brides et brides sur les mailles serrées. Alors là, pour ce gilet, lorsque j'ai terminé à chaque fois par une maille serrée, j'ai toujours piqué dans la deuxième maille en l'air de départ. J'ai pas piqué dans la troisième maille parce que je voulais quelque chose de vraiment très droit. Je continue et on se retrouve. Donc voilà ce que vous devez obtenir quand vous avez terminé de crocheter tout droit. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport au gilet. Donc je vais le mettre dos vers moi. Donc une fois bien étiré, voilà ce qu'on obtient. Donc la taille est toute juste. Et en fait, ce que vous voyez dépasser de votre gilet, donc à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est ce qui va en fait nous servir pour les manches. Donc en fait, il faut vous dire que c'est déjà un bout de manche qui est formé. Donc c'est tout à fait normal que votre travail soit un peu plus large que votre gilet. Puisqu'en plus de ça, on a travaillé tout droit. Donc c'est tout à fait normal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé forcément sur un rang en droit. Donc ma dernière ligne sur un rang en droit, puisque c'est un rang pair. Et ce que j'ai fait ensuite, donc je vais vous montrer puisque j'ai déjà avancé un petit peu. J'ai tourné mon travail, j'ai recommencé. Donc quand vous tournez votre travail, forcément vous arrivez ici. Et bien vous continuez à monter avec vos mailles en l'air, ou alors ça dépend combien de mailles vous avez monté. Et puis vous allez crocheter sur 18 mailles. Donc les 18 mailles, c'est pour la taille que je vous ai donnée pour ce gilet. Ensuite, vous, ça va dépendre du nombre de mailles que vous avez monté. Mais puisqu'on a fait un nombre de mailles divisible par 3, vous partagez votre travail en 3. Donc moi là, il me faut 18 mailles ici, 18 mailles au centre et les dernières 18 mailles qui vont nous servir pour l'autre manche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici au même endroit, donc forcément puisque j'ai terminé sur le rang de l'autre côté, j'ai continué mon travail et j'ai monté exactement le même nombre de rangs que j'ai fait pour le dos. Donc c'est-à-dire que là, moi, pour cette taille-là, j'ai monté 46 rangs. Donc pour mon devant, j'ai continué toujours ensuite tout droit en faisant 46 rangs. Et je me suis arrêtée à la fin. Le point élastique, on viendra le faire à la fin, une fois qu'on aura fait la bordure pour le devant. Et quand vous passerez à l'autre manche, puisque vous aviez commencé le premier devant de ce côté-là, vous passerez 18 mailles et puis vous viendrez accrocher votre fil pour commencer les 18 mailles restantes. Donc moi là, c'est ce que je vais faire avec vous pour vous montrer un peu. Donc je me suis arrêtée à ce niveau-là. Donc je passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et dans la 19e, du coup, je passe mon crochet. Et là maintenant, je vais joindre mon fil simplement. Donc je passe mon fil dans ma maille. Je vais sécuriser avec une maille en l'air, mais je vais prendre les deux fils. Et je fais une maille en l'air pour attacher. Ensuite, je reprends uniquement le fil qui est relié à ma pelote. Et là, je vais commencer à monter mon rang avec mes trois mailles en l'air. Une, 2 et 3. Donc là, vous pouvez en profiter aussi pour cacher votre fil. Donc je le laisse plaquer derrière et je continue mon point de riz. Donc j'alterne une maille serrée, une bride. Et vous voyez, j'attrape mon fil en même temps derrière pour qu'il se coince dans mes mailles. Une maille serrée, une bride. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Et je termine. Une, deux, et je pique, je fais ma dernière maille serrée du rang.
Donc là, j'ai caché mon fil derrière, vous voyez, il ne se voit pas du tout. Je vais juste tirer un peu et le couper. Et là, vous allez continuer vos rangs. Donc vous tournez. Donc là, j'ai fait un rang. Donc prenez un calepin ou une feuille, n'importe quoi. Et puis, vous notez surtout le nombre de rangs en allant que vous avez noté pour ne pas vous perdre. Et comme ça, là, vous continuez. Donc moi, il me reste 45 rangs à faire. Et du coup, je vais les continuer et je vais vous retrouver pour continuer le gilet. Donc une fois que vous avez fini le devant de votre gilet, nous allons pouvoir passer aux manches. Donc comme vous voyez, moi j'en ai déjà fait une pour pouvoir vous expliquer correctement. Donc moi au total, j'ai monté 46 rangs pour le dos. J'ai monté 46 rangs du coup pour le devant. Donc vous aussi, vous devez avoir le nombre exact de rangs pour le dos et le devant. Donc pour mes manches, déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris repère toujours sur mon gilet. Donc vous positionnez bien les devants à leur place, vous repositionnez votre gilet, donc normalement votre col tombe exactement pareil que sur votre gilet que vous êtes en train de faire. Donc vous replacez votre gilet correctement et là votre manche ici, vous allez bien la plaquer droit, donc épaule contre épaule, vous la placez bien comme ça et vous la tendez, donc tout droit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre votre repère. Donc, vous allez prendre un marqueur, comme moi j'ai déjà fait ici. Et en face de la manche, ici où il y a la couture du gilet, vous allez placer un marqueur. Pour l'instant, vous pouvez le positionner un peu n'importe où, puisque vous allez compter vos rangs après. Donc, une fois que votre marqueur est posé, vous pouvez retirer votre gilet. Et là, vous allez pouvoir faire votre calcul. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai au total... Sur le dos et le devant, j'ai 92 rangs. Donc, ça me fait 92 mailles. Donc, j'ai laissé cet espace-là. Donc, pour savoir où votre marqueur va arriver, vous allez simplement compter vos rangs. Donc, moi, je les ai comptés sur le dos, puisque je suis vraiment dans le sens de mon travail. Puisque vous vous souvenez, après, pour le devant, on est reparti dans l'autre sens. Donc, vous vous placez sur le dos, et vos rangs, vous les comptez. D'accord, c'est très simple. De toute façon, si vous regardez bien, vous arrivez facilement à repérer bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée. Donc moi, je suis tombée à 28 rangs. Vous, vous allez tomber sur le rang en fonction de ce que vous avez monté. Donc, c'est très logique. Si vous avez 28 rangs sur le devant, vous avez aussi 28 rangs sur le dos. Et vous faites vos petits calculs. Donc, mes 92 mailles, moins mes 2 fois 28 mailles. Eh bien, il me reste ici 36 mailles. Donc, je sais qu'ici, j'ai 36 rangs à crocheter. Donc, maintenant, on va pouvoir rattacher un fil et pouvoir commencer notre manche. Je vais vous rapprocher et puis je vous retrouve tout de suite. Je vais pouvoir rattacher mon fil. Donc, je vais passer mon fil entre les mailles. Et là, je vais sécuriser en prenant les deux fils et je ferme avec une maille en l'air, donc avec les deux fils. Ensuite, je vais en prendre un seul, donc celui qui relie à pelote. Et je vais monter avec mes trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Donc voilà, là j'ai ma première bride qui est montée. Et là, on va en profiter en même temps pour cacher le fil derrière. Donc dans la maille d'à côté, donc si vous tournez un petit peu, vous pouvez apercevoir vos rangs. Donc là, je viens de faire les 3 mailles en l'air en face du 28e rang, juste ici. Donc le rang suivant, il est là. Donc je vais piquer à l'intérieur. Je place mon crochet comme ceci et j'essaye d'attraper vraiment deux brins. Donc il y a des fois, c'est pas très facile, il suffit de prendre un petit peu son temps. Voilà, j'ai attrapé deux brins. Je ressors mon fil et je fais ma maille serrée.
et vous allez continuer. Ici, je vois un rang, et bien je vais piquer pareil à l'intérieur. Et j'alterne bien bride et maille serrée. Je fais ma bride. Prochain rang, je dois faire une maille serrée. Donc je me positionne en face, je viens piquer dans les mailles du bord et je fais ma maille serrée. Et vous allez continuer comme ça tout votre tour. Je vois un rang ici puisque j'aperçois une maille serrée là, donc c'est qu'il y a un rang. Et bien je pique à l'intérieur, je fais ma bride. Rang suivant, je fais ma maille serrée. Donc vous continuez comme ça, tout le rang, jusqu'à arriver de l'autre côté de votre manche. Donc ensuite je dois alterner avec une bride, je vois un rang, et bien je pique à l'intérieur. Et je fais une bride. Donc je vais continuer, et puis je vais vous retrouver de l'autre côté de la manche. Donc une fois que j'ai fait mon tour et que j'ai mis 36 mailles sur mon rang, on va venir unir à la deuxième maille en l'air de départ. Donc on a commencé notre rang par 3 mailles en l'air et je vais continuer à respecter le point de riz, c'est-à-dire piquer dans la deuxième maille en l'air de départ. Donc juste ici, je pique et je fais une maille coulée. Et à partir de maintenant, on va travailler en rond. Donc là, je suis sur une bride, je monte avec une maille en l'air et dans le même endroit, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, c'est une maille serrée, donc je fais une bride. Et je continue comme ça, alterné. Au-dessus des mailles serrées, je fais des brides et au-dessus des brides, je fais des mailles serrées. Et vous continuez comme ça tout le tour, alterner. C'est exactement la même chose qu'on fait depuis le départ. Simplement, là, on va venir travailler en rond. Donc, ça va être le point de riz aussi, mais beaucoup plus serré. Donc, je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Je termine mon rang par une bride. Et là, ce qu'on va faire, c'est unir à la première maille serrée qu'on a fait. Donc, je fais une maille coulée sur la maille serrée et non pas sur la maille en l'air. Et là, du coup, je vais inverser. Je suis sur une maille serrée, je monte avec 3 mailles en l'air. Et vous continuez votre rang comme ça. Ensuite, c'est une bride, je fais une maille serrée au-dessus. Et vous allez continuer à alterner. Donc quand vous allez arriver à la fin de votre rang, puisqu'on est sur 3 mailles en l'air de montée, vous piquerez dans la deuxième maille en l'air pour faire votre maille coulée. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les instructions pour la manche. Ça va être très très simple, vous allez voir. On ne va pas faire de diminution. Donc voilà ce que ça va donner une fois la manche terminée. Donc c'est pareil, vous allez prendre votre gilet. Vous allez repositionner correctement, donc épaule contre épaule. Vous allez tendre. Donc vous placez bien. Donc le marqueur au niveau de la manche. Donc placez bien des deux côtés. Vous plaquez bien. Et là en fait, vous allez placer votre coin en face de votre marqueur, toujours pour avoir les bonnes dimensions. Et en fait, quand vous allez voir que votre manche commence un petit peu à diminuer, vous allez changer de crochet. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai vu l'endroit où la manche commençait à se rétrécir, j'ai placé un marqueur. Et de cette distance à celle-ci, j'ai pris un crochet numéro 3,5. Puisque là, vous voyez bien que ça part comme ça.
Du coup, je voulais pas non plus faire une manche trop serrée, puisque comme moi, ma fille va le porter en veste, et c'est le but de ce tutoriel, c'est de faire une veste pour pouvoir mettre à la mi-saison. Eh bien, comme ça, en fait, on va pas trop diminuer, et on pourra toujours mettre un petit pull en dessous, et ça passera largement. Donc, j'ai placé mon marqueur ici, j'ai crocheté mes rangs en 3,5, et quand j'ai voulu diminuer encore un petit peu, eh bien, j'ai placé mon marqueur pour la fin de ma manche, et là, j'ai pris un crochet numéro 3 pour la fin. Donc c'est à peu près au niveau où j'ai fait le point élastique et juste quelques rangs devant. Donc pour vous faire une idée, ce que j'ai fait moi ici, c'est que j'ai fait 20 rangs avec le crochet numéro 4, donc pour la taille toujours de mon gilet. Ensuite, j'ai pris un crochet numéro 3 et là du rang numéro 21 au rang numéro 26, j'ai pris mon crochet 3,5. Et ensuite, du rang numéro 26 jusqu'à la fin, donc moi j'ai fait 30 rangs avec mon crochet numéro 3, donc juste 4 rangs. Et ensuite, j'ai attaqué le point élastique, mais de toute façon, je vais vous retrouver à ce niveau-là. C'est vraiment très simple. Pourquoi les marqueurs? Simplement parce que vous allez noter pour votre manche, celle que vous êtes en train de faire, vous allez noter le nombre de rangs que vous avez fait pour arriver jusqu'au premier marqueur, le nombre de rangs jusqu'au deuxième, et pour la fin de votre manche, parce qu'il vous faudra exactement le même nombre de rangs pour l'autre manche, pour que ce soit vraiment identique. Donc je vais continuer ma manche, et puis je vais vous retrouver à la fin de la manche pour faire le point élastique. Voilà, je viens d'arriver à mon 30e rang. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est unir à la maille serrée de départ par une maille coulée. Et on en a terminé avec le point de riz pour la manche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le point élastique pour faire le bord de la manche. Donc vous gardez le crochet numéro 3 que vous avez utilisé pour le restant de votre manche. Et si vous ne savez pas faire le point élastique, c'est pareil, je vous le mets juste ici dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez apprendre à le réaliser si jamais vous ne savez pas encore le faire. Donc on va commencer par monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, ce qui correspond à votre première bride. Et maintenant, en fait, simplement, on va juste faire un rang de brides individuelles. Donc dans toutes les mailles, vous faites uniquement des brides individuelles pour le premier rang du point élastique. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais ma dernière bride individuelle. Et là, on va unir par une maille coulée au niveau des mailles en l'air. Mais simplement, ce qu'on va faire, on ne va pas piquer du tout dans une maille. On va venir envelopper, donc comme ceci. Vous passez votre crochet à l'intérieur des mailles en l'air. Vous attrapez votre fil et vous faites votre maille coulée. Vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et comme là, on va travailler avec des brides en relief, là, c'est comme si j'avais fait ma première bride en relief par devant. Donc la deuxième, je vais la faire en relief par derrière. Et vous allez alterner comme ça tout votre rang. Une bride en relief par devant. Une bride en relief par derrière. Donc là, j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Et vous voyez, comme on a un nombre de mailles paires, on va tomber sur la dernière maille par faire une bride en relief par derrière. Et là, on va faire exactement la même chose. Au niveau des mailles en l'air, on va envelopper par devant pour faire la maille coulée. Donc vous passez votre crochet et vous faites votre maille coulée. Pour le troisième rang, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3, et vous répétez exactement la même chose. Vous voyez une bride en relief par derrière, vous la faites en relief par derrière. Vous continuez tout votre tour. Donc là, on va attaquer le tour numéro 3, et il nous faudra un quatrième rang, et on en aura terminé pour la manche.
Donc maintenant qu'on a terminé les manches, on va pouvoir passer sur le devant du gilet. Donc pour récupérer en fin de compte les mailles ici qu'on a laissées en attente, eh bien on va simplement faire une bordure pour pouvoir terminer le gilet. Donc pour ça, vous allez vous placer à cet endroit-là. Et on va simplement relever nos mailles comme on a fait pour la manche. Donc j'ai 46 rangs sur mon devant. Et bien je vais devoir monter 46 brides sur mon devant. Ensuite, j'ai mes 18 mailles ici qui sont restées en attente. Et de l'autre côté, forcément, j'ai 46 rangs à faire aussi. Donc 46 brides. Donc j'ai mon fil ici. Et bien je vais venir me placer au même endroit. Donc vous reprenez votre crochet de base, donc votre crochet numéro 4. Je me place dans la première maille. Donc c'est pareil, j'essaie toujours d'avoir deux brins sur mon crochet. On va joindre notre fil. Je le passe à l'intérieur. Je sécurise comme d'habitude avec les deux fils. Je fais ma première maille en l'air et ensuite je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va en profiter aussi pour cacher le fil du bord. Donc je le plaque derrière. Et simplement, ce que vous allez faire, c'est tout votre tour avec des brides individuelles puisqu'on va faire les rangs au point élastique. Donc je vais suivre mes rangs. Je pique à l'intérieur des mailles et je vais faire mes brides tout le long. Ça va être vraiment très simple. Vous piquez en face de chaque rang, exactement comme on a fait pour les manches. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez tourner et on va continuer à travailler au point élastique. Donc comme je vous ai montré sur les manches, on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on commence à travailler en relief. Donc j'en prends une en relief par devant, une en relief par l'arrière. En relief par devant et ainsi de suite. Et de toute façon, je vais continuer et vous dire le nombre de rangs que j'ai fait pour cette taille. Donc au final, sur le tour, j'ai fait 9 rangs de points élastiques. Donc en fait, je me suis arrêtée quand les bords se touchaient entre eux. Là, vous ne voyez pas bien, c'est un petit peu décalé parce que j'ai déjà fait ma couture à ce niveau-là. Donc ça a resserré un petit peu le devant. Donc une fois que j'ai terminé de faire mes 9 rangs de points élastiques sur le tour, eh bien j'ai déjà avancé et j'ai fait la bordure en bas du gilet. Donc là, ce qu'on va faire, on va ici relier notre fil pour terminer le devant, la bordure de points élastiques ici. Donc pourquoi j'avais pas fait dès le départ ici, quand j'ai fait mon devant, le point élastique? Justement parce que je voulais que mon point élastique soit en face de ma bordure ici sur le devant. Donc maintenant on va pouvoir attaquer cette dernière partie et après on n'aura plus que la couture à faire. Donc vous voyez, j'ai tourné mon travail, donc je suis tout en bas du gilet. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir attacher notre fil. Donc, on va continuer à travailler sur le devant du gilet. Vous prenez votre crochet numéro 4 et vous allez venir le passer donc tout au bord du rang. Donc, à ce niveau-là, ici, vous allez piquer votre crochet et vous passez à l'intérieur des mailles. Vous prenez votre fil. Et comme je fais à chaque fois, je vais sécuriser avec les deux fils. Je fais une première maille en l'air. Je vais monter avec les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ça correspond à ma première bride. Et au même endroit,
donc juste à côté sur la... Donc là, en fait, on a piqué le crochet sur la première bride. Eh bien, sur la même bride, on va faire une deuxième bride. Donc, pour résumer, ici, j'ai mes 18 mailles de points de riz. Et là, j'ai mes 9 rangs de points élastiques. Donc, il va nous falloir ici 18 brides. Et là, en fait, au lieu d'avoir 9 brides, on va en avoir 10. Puisque sur la première, j'en ai déjà 2. Et ensuite, simplement, sur chaque bride à la fin, on va faire une bride. Donc, au lieu d'en avoir 9, on en aura 10. Et ça va être facile à repérer, puisqu'il y a des rangs où vous êtes monté avec 3 mailles en l'air, vous piquez au milieu. Il y a des rangs où vous avez terminé par une bride, vous piquez au milieu. Donc là, j'en ai déjà 2. Donc ici, moi, c'est des mailles en l'air. Je vais piquer dedans, je fais ma bride. Juste à côté là, j'ai un rang, c'est une bride, je vais piquer à l'intérieur. Et je fais ma bride. Ici, c'était des mailles en l'air, je pique à l'intérieur, je fais ma bride. Et je vais continuer comme ça. Là, j'en ai déjà 5. Donc là, je vais en avoir 6, 7, 8, 9 et 10. Et la dernière. Donc là, mon fil, je vais le tirer un peu et puis je le couperai après. Donc maintenant, vous allez faire au total 4 rangs de points élastiques. Donc là, on a fait le premier rang et vous allez continuer, vous tournez. Vous montez avec vos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous commencez les reliefs. Donc une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, et vous continuez comme ça pour avoir un total de 4 rangs de points élastiques. Donc le premier rang de bride individuelle compte. Et voilà pour le dernier rang de ma bordure en point élastique. Une fois que vous avez terminé, vous finissez avec une maille en l'air, vous tirez votre fil et vous coupez. Il faudra rentrer le fil à la fin. Vous pouvez le rentrer maintenant aussi, ça pose aucun problème, ça c'est au choix. Donc maintenant, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous vous replacez bien sur le devant de votre travail. Donc là j'ai un côté et là j'ai l'autre côté. Pour l'autre côté, vous n'allez pas commencer ici, donc sur ce bord là, vous allez commencer sur ce bord là. Donc vous voyez, moi j'ai déjà ma couture ici de fait. Donc vous commencez, et une fois que vous arrivez à la fin, donc sur la bordure du point élastique qu'on a fait sur le devant, c'est pareil, vous terminez avec 2 brides sur une bride. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose d'assez complet, parce que si vous en faites une, votre point, il aura tendance à dévier un petit peu de ce côté là. Donc vous faites la même chose et puis ensuite on va pouvoir se retrouver pour la couture. Une fois que votre point élastique est terminé, maintenant on va coudre. Donc on va commencer par le bas et là vous allez rester pour l'instant sur le devant de votre travail. Donc là on va coudre en premier les bordures de points élastiques. Donc je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien la façon de faire.
Donc si avec votre fil, vous êtes arrivé à la fin du rang, vous coupez une bonne longueur pour continuer à coudre avec. Si comme moi, votre fil, vous l'avez arrêté de l'autre côté, on va venir joindre un nouveau fil. Je vais me placer tout au bord, ici, et je passe mon fil. Je ne vais pas le nouer tout de suite. On va venir rejoindre l'autre côté, donc tout au bord du rang, on va passer le fil. Vous serrez un peu. Vous allez piquer dans une maille à côté. Donc c'est pareil, vous piquez bien tout au bord des mailles, pas entre les brides, vraiment dans les mailles. Donc juste à côté, vous piquez. Vous ressortez votre aiguille. Et on va rejoindre en face. Une fois que j'ai fait ça, je vais placer mon aiguille derrière mon travail pour aller rejoindre le fil et faire un nœud. Donc là, vous tournez, vous récupérez votre fil de départ et on va juste faire un nœud pour sécuriser. Une fois que c'est fait, on va pouvoir continuer. Donc vous allez ressortir sur une maille. Et là, c'est très simple. Vous continuez comme ça. Vous êtes ici, vous vous placez à côté et vous ressortez en face. Toujours en piquant dans les mailles en l'air ou dans les brides. Pareil, je me place dans une maille à côté, bien à l'intérieur, et je ressors en face. Je pique à côté et je ressors en face. Je continue. Je pique dans une maille, je ressors en face. Donc je fais comme ça jusqu'à arriver à la fin de mon point élastique. Donc une fois que je suis à la fin, je vais placer mon aiguille à l'intérieur de mon gilet. Donc je pique une maille juste à côté et je vais venir à l'intérieur. Donc je passe mon aiguille et là on va faire la couture sur l'envers, donc à l'intérieur du gilet. Donc pour ça on va retourner le gilet. Je mets mon aiguille à l'intérieur. Donc là maintenant je suis sur l'envers. Et on va coudre exactement de la même façon. Vous positionnez bien. Donc les bords contre les bords. Donc c'est pour ça que j'ai laissé mon anneau marqueur, comme ça je sais très bien où je vais arrêter de coudre. Et là on va faire la même chose. Je pique dans une maille à côté et je rejoins en face. Donc vraiment au bord des mailles. À côté, je pique dans une maille, je ressors en face. Et vous continuez comme ça tout votre rang. Ne vous serrez pas trop votre fil, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai terminé, j'ai fini ma couture, j'ai rentré tous mes fils. J'ai juste rajouté un petit nœud que j'ai cousu avec du fil noir pour pas que ça se voit. Et ensuite, j'ai attaché une chaînette pour pouvoir faire un nœud au milieu. Donc pour ça, j'ai doublé mon fil et j'ai pris un crochet numéro 5. Donc après, ça va dépendre de la laine que vous avez utilisée au départ. Donc vous adaptez votre crochet en fonction. Et là, j'ai joint mon fil. Donc quand vous allez monter votre chaînette, vous laissez un bon morceau de fil puisqu'on va venir faire une petite boucle à la fin. Donc pour ça,
pour les mettre en phase, vous allez compter sur votre point élastique. Donc moi, j'ai compté 12 rangées de points élastiques en relief avant et je me suis placée entre la 12e et la 13e. Donc on ne va pas accrocher le fil sur le devant, on va l'accrocher vers l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je me place entre la 12e et la 13e. Et là, je passe à l'intérieur. Et je vais faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je vais laisser un bon morceau de fil pour le coudre. Je coupe mon fil. Je serre bien. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre une grosse aiguille à laine, donc toujours adaptée à mon fil. Et je vais coudre mon fil à l'intérieur. Donc déjà, je vais rentrer mon fil pour le faire passer vers l'intérieur de mon gilet. Et là, je vais coudre vers l'intérieur. Donc sur toute la rangée de brides en relief, donc avant, mais en fait, c'est la bride en relief arrière sur le devant, eh bien, je vais rentrer mon fil. Vraiment sur tout le bord. Comme ça, ça va permettre que la chaînette tienne bien. Donc, sur tout le bord, je vais rentrer mon fil, je vais le cacher. Je vais vraiment tout au bout. Et en fait, je vais même déborder sur le point de riz. Comme ça, il sera caché suffisamment loin. Donc, vous voyez, là, j'arrive au point de riz. Et bien, je vais continuer à cacher un peu mon fil. Et là, je peux couper. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, donc à la fin de la chaînette. Donc, vous la placez bien vers vous. C'est pareil, on va reprendre l'aiguille à laine. On va passer les fils à l'intérieur. Et là, je vais former une boucle. Donc pour ça, je vais laisser un peu de longueur. Je vais passer mon fil vers l'arrière ici. Je vais resserrer un petit peu. Et en essayant d'avoir à peu près la même taille que de l'autre côté. Je serre un petit peu. Et là, on va faire un nœud. Vous passez à l'intérieur de la boucle. Et je passe mon fil pour faire un nœud. Donc vous serrez bien. Je vais repasser dans une maille. Je passe dans la boucle. Et je fais un nœud. Je vais passer de nouveau dans la maille et là je vais cacher mon fil. Donc vous voyez, vous serrez bien. Donc je passe dans une maille à l'endroit, je passe à la deuxième maille, je ressors comme ça et vous continuez de cette façon. Hop, je pique et je ressors dans la maille au-dessus.
comme ça, en fait, ça suit les mailles. Et puis c'est pareil, une fois que votre fil est suffisamment caché, eh bien, on va le couper. Maintenant, on a terminé. Donc, j'espère vraiment que ce gilet vous aura plu. Je le trouve vraiment juste magnifique. J'ai vraiment hâte que ma fille puisse le porter à l'école. J'espère que vous aurez la facilité à le réaliser. J'espère aussi que mes explications ont été assez claires, puisque c'est la première fois vraiment que je fais un tuto complet avec des points qui changent. Donc, voilà. Maintenant, comme d'habitude, je vous dis à vous d'essayer.